Salut à tous, c'est Sheya Skart. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon cinquième épisode donc, de Sheya. Donc je commence tout de suite. Comme d'habitude sans vous faire plus attendre. Donc c'est parti. Donc le but de cet épisode, essayer de passer le niveau 10, adhérer à une guilde, puis par la suite ouvrir le pack niveau 7 normalement. Donc voilà, donc c'est parti, on attend juste le chargement et on passe. Et on commence. Démarrer. Donc moi j'ai toujours mon petit jouet. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai passé mon niveau 7. Enfin, comme vous le constaterez plutôt, ce sera toujours mieux. Donc normalement le niveau 10, je devrais le passer assez rapidement. Bon, ce chargement est vraiment très long et ennuyant. Allez, allez, tu es presque. Voilà, donc le chargement est prêt, donc on recommence tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater maintenant, je suis niveau 7. Donc vu que je suis niveau 7, j'ai atteint le pack de novice niveau 7. Donc je fais clic droit dessus, donc qui m'ouvrira beaucoup plus d'objets pour mon personnage. Donc j'ai du nouveau stuff, donc comme vous pouvez le constater. Hein. La légendaire, la dentelle, les bottes, augmente les points de stat de 25 pendant une heure. Donc pour l'instant, pas très utile. Une petite augmentation d'XP, donc 1,5 pendant 60 minutes. Donc voilà. Donc normalement, j'ai mis tout mon stuff. J'aurais plus qu'à mettre les armes. Donc vous avez ceci. Ceci normalement, et ceci si ça va bien. Voilà, donc voilà toutes les armes que j'ai acquis pour le panier, enfin pour le pack niveau 7. Donc voilà, donc on acquiert aussi des lapis. Donc on peut les sertir sur les armes. Donc comme vous pouvez le constater, sur la petite case il y a un petit emplacement en bas à droite, enfin en bas à gauche, excusez-moi, donc où vous pourrez sertir votre lapis chez un forgeron. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc bon, je ne vous fais pas plus attendre, donc je vais essayer de passer mon niveau 10. Donc je commence tout de suite. Donc let's go. Donc pour augmenter mes points d'expérience plus vite, je fais un clic droit sur la petite sur la pierre d'XP, donc où il y a marqué petite augmentation d'XP. Donc je fais clic droit, votre personnage fait un mouvement, donc et vous pourrez acquérir la pierre d'XP. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis à l'endroit, environ à l'endroit d'hier, donc les panthères et les araignées. Donc, une fois vos araignées tuées, enfin, vous êtes niveau 7, vous pouvez actuellement partir vers ce chemin où il y a deux piliers et trois arbres, vers ce chemin où vous trouverez normalement des zélotes et des coques. Si je me trompe pas, donc les zélotes, ah non, c'est des secoues, on donne plusieurs noms à ces créatures. Donc il y a des grenouilles, donc les grenouilles sont niveau 9 et les secoues niveau 8. Donc là vous pourrez facilement passer niveau 9
Donc là pour l'instant moi je suis en belle série de bugs, donc je vais laisser un peu l'écran comme ça pendant un petit moment. Donc voilà. Donc je passerai à mon niveau 10. Avec vous, je passerai sûrement mon niveau 10 sur cet épisode. Donc allez, attaque la prochaine bestiole. Oh putain. C'est pas qui. Donc je vais faire une petite pause, je vais augmenter l'alimentation de mon ordinateur pour arrêter les bugs du jeu. Donc je fais une petite coupure de 5 minutes même pas, et on se reprend juste après que j'ai fait cette manip. Donc je commence. Attends, je tue la zélote, comme ça c'est fait. Et après je fais la manip, parce que là par contre ça devient vraiment sérieux niveau bug. Donc je reviens, à tout de suite. Re à tout le monde, donc j'ai fini de faire mon petit business. Donc je reprends tout de suite en essayant de passer mon niveau 10. Donc là vous pourriez passer sûrement votre jusqu'au niveau 10 ici. Non, peut-être pas là. Donc votre niveau 9. Jusqu'au niveau 9, vous pouvez rester ici. Puis après vous téléporter sur Glitter et descendre. Descendre un peu plus bas pour aller attaquer les araignées et les cochons normalement. Donc je vous montrerai ça dès que je passe mon niveau 9, donc, ce qui est assez rapide je trouve. Donc, voilà, j'ai passé mon niveau 8, donc, ce qui est assez rapide. Donc je gagne à peu près combien de pourcents pour l'instant? On va dire à peu près 9% en tuant un monstre, ce qui est vraiment rapide. Donc là les compétences, hein. Donc pendant que j'ai passé mon niveau 7, j'ai amélioré des compétences. Donc voilà, donc je suis à tourbillon niveau 1, donc je l'améliore, enfin je le, voilà, je le prends combat, donc voilà. Et vous augmentez vos points statistiques, ce qui est très important. Donc automatique, hein. Voilà, donc j'attaque ma soucoupe. Bon, comme vous le constatez, je suis un petit peu malade. Mais bon. Allez, suivant. Donc je passe mon niveau 9 et je vais directement à l'endroit où je voulais vous dire tout à l'heure. Donc vers l'endroit de l'éditeur. Voilà. Je vous montrerai aussi, enfin je vous remontrerai comment adhérer à une guilde. Parce que ma deuxième vidéo, elle n'a pas été vraiment vue beaucoup de fois. Donc si 47 minutes, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc les personnes hésitent un petit peu à regarder la vidéo. Donc allez, c'est quand tu veux. Bon, attends, on va utiliser le tour du long. Allez, vite, putain, faut pas mourir quand même. Voilà, tourbillon, je peux pas l'utiliser. Voilà, allez, attaque la bestiole. Bon, comme vous pouvez constater, bon, il y a pas mal de monstres qui m'attaquent. Donc je veux dire, c'est pas si mal, comme ça j'augmente mes points d'expérience plus rapidement. Donc je passe mon niveau 9 et je me téléporte à Glitter. Donc l'endroit où je bug vraiment. Allez, il est presque. Allez, voilà, j'ai passé mon niveau. Donc comme vous pouvez le constater, je suis actuellement niveau 9. Donc je me téléporte sur Glitter. Donc je me trouve actuellement ici sur la carte. Pardon. Je me trouve actuellement ici, donc je vais me téléporter à Glitter qui se trouve ici, là où j'ai ma souris. Donc je me téléporte avant que les araignées m'attaquent, ce qui serait, enfin les araignées, les soucoupes m'attaquent, ce serait vraiment bête.
Donc la téléportation, donc là je vais éviter trop de vous montrer le paysage parce que ça serait un petit peu dégueulasse pour la vidéo et surtout pour le bug, enfin pour les bugs, surtout à cette ville. Donc je vous la montre vite fait mais je risque de bugger assez fortement. Donc je prends ma monture et je vous montre doucement la map. Donc comme vous pouvez le constater, je bug comme un porc. Donc je retourne comme ça, je me dirige vers le maître de guide qui se trouve ici. Vous reconnaîtrez au personnage. Donc là, comme vous pouvez constater, vous avez la liste des guildes. Donc là, vous avez le rang de votre guilde, donc ici. Le nom de la guilde, enfin, donc le rang est rangé par... clan, enfin du numéro 1 à 30, enfin au meilleur classement, au nom alphabétique, au point, au meilleur point, et au maître par le nom du créateur de la guilde. Donc moi je fais au nom, donc Friend Family. Donc là, je suis passé un peu trop loin. A, B, C, D, E, F, G. C'est bien là-bas. Donc Friend Family. Donc la guilde se trouve ici. Donc comme vous pouvez aussi créer une guilde, mais vu que vous commencez, enfin si vous regardez cette vidéo et que vous commencez le jeu, ça serait un petit peu inutile, surtout à votre niveau. Donc faudrait mieux créer des guildes au niveau créer des guildes au niveau 50 et enfin au plus au LVL 50 ou plus. Donc comme ça vous aurez bien le temps de connaître le jeu, donc ce qui serait formellement conseillé, enfin pour moi. Donc là je me dirige vers le petit coin où je vais essayer de passer niveau 10. Comme vous pouvez le constater, je me suis téléporté ici. Donc voilà, donc un petit crétin qui court. Donc je me suis téléporté ici, donc je suis chemin. Et là, comme vous pouvez constater, bon, vous avez un autre chemin qui conduit à d'autres monstres. Et ici, à droite, des mobs qui seraient assez faciles à tuer pour le niveau 9. Donc, je descends de ma monture. Moi, avant ça, je vais apprendre les compétences. Donc, là, il n'y a rien. Là, il y a ça. Donc, inflige 50 dégâts toutes les 3 secondes pendant 18 secondes. Toujours le mettre, c'est toujours utile. Donc voilà, donc je vais augmenter ça. Les points de statistiques, donc je les augmente en automatique, ce qui est formellement conseillé aussi. Donc ouais, c'est vrai, toi t'es bien gentil, toi, hein, petit. Et tu me prends tous les monstres. Donc moi je sais pas trop où je vais me caler pour XP et passer mon niveau 10. Crétin, bah, en plus t'es nul. Nul à chier. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ceci. Donc il y a normalement les runes gracieuses. Donc c'est quand vous tuez, enfin quand vous vous faites tuer par les monstres, vous pouvez ressusciter votre personnage, mais qu'une seule fois. Donc ouais, bon, je sais pas trop comment le dire. Bon, bah, je vais vous quitter maintenant. Donc, le niveau 10, je l'aurai sûrement passé à la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé mes vidéos, likez, mettez les pouces verts. Et si vous souhaitez vous abonner, bah, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir. Et le truc qui me ferait encore plus plaisir, c'est partager mes vidéos pour que je me fasse connaître. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, on se retrouve sur la prochaine vidéo avec mon niveau 10. Donc à la prochaine, ciao, à plus.